Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Wakfu. Aujourd'hui nous allons nous occuper de Milcar le Melou. Milcar le Melou, pardon. Alors Light qui est avec nous, je sais pas ce qu'il va faire. Euh, alors déjà avant de le lancer, voilà un peu la panneau Milcar. Donc une panneau très intéressante hein, pour tout ce qui est parade. Euh, si je me souviens bien, ouais, pour tacler, c'est vraiment une très 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 bonne panoplie. Euh, à conseiller. Enfin, une, voilà, si vous jouez tank, si vous spécialisez en tank, je vous la conseille. On va rentrer. Donc, euh, c'est le deuxième des boss ultimes qu'on débloque. Euh, donc, euh, voilà un peu, voilà, ça reste un, un, un melou. Bon, il est chiant. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, désolé, je suis pas fou de Vita. De toute façon, j'en ai pas tellement besoin normalement. Il est moins chiant, enfin je le trouve moins chiant que l'Excarnus, euh, déjà parce qu'il est tout seul, donc euh, on peut s'occuper de lui. Après il y a ce système de lune en fait qui est très, qui est vraiment horrible, donc là voilà, il joue. Euh, très déconseillé, ne pas invoquer, mais ne vraiment vraiment pas invoquer si vous, si vous craignez, euh, parce qu'en fait si vous invoquez en fait lorsque la lune sera pleine, et bien votre euh, votre invocation va se transformer et du coup deviendra un adversaire. Au niveau de ses buffs, il a l'esquive canine, qui est juste euh, l'un des buffs les plus cheatés du jeu, je trouve. Euh, du point de vue où en fait, il... Euh... Alors attendez, je vais faire le même coup que l'Exirnus dans le dernier épisode. Voilà. Où en fait, on ne connaît pas le pourcentage d'esquive. Donc voilà, troisième tour, la lune est pleine, il se transforme en Mulougaou. En melou garou, pardon. Donc là, il va commencer à taper plus sévèrement. C'est cette période-là où les gens ont spécialement peur, je pense. Voilà, voilà. ça, ça me fait plaisir. Euh, alors, le truc, c'est de profiter. Euh, hop, voilà. Euh, avec les anciennes compos, les anciens builds et tout, le truc c'était quand même de, de le bloquer. Donc généralement, on avait une technique de, de Saki qui, qui lançait soit le mec, soit qui le lançait là. Et en fait, en faisant le tour de, de chaque obstacle, il n'arrivait pas à suivre. En fait, enfin il ne pouvait pas attaquer. Ou s'il attaquait une fois, c'était vraiment super gentil. Euh, il n'a pas été. Il n'a pas fait son sort ultime, mais en fait ce boss a un ultime, en fait euh, lorsqu'il est dans tout, en dessous de 2000 points de vie si je ne me trompe pas, euh, il, euh, il saute et il tape deux fois, voire trois fois chaque adversaire euh, de, sur la map. C'était à l'époque quand même un, un, un sort vraiment assez cheaté, hein, parce que il, il, franchement il, bah, il faisait quand même très mal et on avait peur à chaque fois qu'il qu tue un personnage. Donc euh, voilà, là la compo à l'époque c'était le. le c'était avec un, au moins un Sakri, un Panda. Il euh, y avait toujours un Eniripsa. Si vous êtes niveau 90, bien sûr, hein, je, je, je parle aux néophytes. Euh, après, c'est surtout, après, surtout du, 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 du Rox à distance. Donc euh, je pense au Roublard, au Xelor. Euh, le Xylor qui peut vraiment gêner maintenant avec son cadran, même si son cadran risque de perdre de la vie, mais qui peut vraiment gêner. Ça, c'est vraiment un, un bon point. Ou encore euh, bah, les K-flip, tout ce qui est Rox à distance. Le Rox au contact, ça serait plutôt pour une deuxième phase en fait, une fois qu'il a lancé son, son ultime. Parce qu'après, voilà, il n'y a plus qu'à vraiment le, le taper. Euh, et euh, voilà, après, euh, ça devrait se. se... Se dérouler euh, calmement en sachant quand même que depuis la, depuis la, la refonte des classes, je trouve que le, le, le boss serait, est, est, est beaucoup plus facile à gérer parce que maintenant chaque sort a, 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 ses, mimi, a, ses, a ses mimiques et du coup ça, ça reste très intéressant. Donc voilà pour euh, Milker le Melou. Voilà, je vous invite à vous abonner, à aimer, à commenter. C'était Welland Smith de la Allez, gros bisous, je vous aime, bye!